Coucou papa. Coucou mon amour. Oui, il est sorti arrosé. Oui. Elle voulait aller dehors pour voir papa arroser. On va un petit peu avec lui, tu vas l'aider? Allez. On va arroser de bon matin. Elle te dit que Poupi, elle est là. D'accord. Elle est concentrée. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup ça, arroser avec papa. Elle aime beaucoup arroser avec papa. C'est chouette ça. T'as déjà arrosé derrière? Oui. Oui. Oh, il a déjà arrosé derrière. Mince alors, nous on voulait aller voir si ça poussait. Les fraises, les groseilles, tout ça, tout ça. Oh, t'as regardé les groseilles, t'as goûté? J'ai pas goûté. T'as pas goûté? Non. On n'arrive pas à savoir là. Si elles sont mûres parce qu'elles sont blanches en on fait. On va aller goûter les groseilles. Il faut goûter pour savoir. Oui, après. Ah bah oui, on arrose. Ça y est, c'est fini. Ah, on a parlé de manger. Oui, on va goûter les groseilles maintenant. Oui, bah oui, j'ai bien compris. Dis, t'as déjà mangé des framboises, toi, plusieurs fois, du jardin? Mais t'as déjà encore un peu. Tu veux en manger encore un peu? Il y en a peut-être une ou deux, là. Je sais pas. Ce sera sympa quand on accrochera tout contre le mur. Oui. Faut s'en occuper, parce que ça pousse, là. Oui. Ça envahit. C'est la jungle tropicale. Oui. Alors. Framboise. Oh, trop tard. Elle a mis dans la bouche. Elle ne peut plus parler. Il y en a plein en dessous là. Je les voyais de loin. Il y en a une ici aussi. Et donc les groseilles. Est-ce qu'elles sont mûres, ces groseilles blanches? Vu que c'est une variété blanche. Non. Telle est la question. Ça me paraît pas mal, hein. Il faut goûter. C'est bon, les framboises? Oh, il y a des petites fraises, là, par terre. Oui. C'est des petites fraises des bois, ça, à mon avis. Non. Il y en a là aussi. Cette année, on arrive à manger les fraises. C'est la révolution. Elles sont belles, en plus, les framboises. C'est bon? Mon Sam vient de tester, c'est pas encore mûr au niveau des groseilles. Attends chérie. Faudra attendre encore un petit peu. Faut que je regarde à quelle période c'est censé être mûr. Même si ça suit pas toujours la logique. Miam. Elle cherche, hein, t'as vu. Est-ce qu'il n'y en aurait pas encore que papa aurait oublié de me donner? Il y en a plein qui vont arriver, hein. Oui. Vraiment. C'est chouette. Et je pense qu'on va avoir des murs aussi. Elles sont où? Là? Ouais. Ah super. Ça c'est des murs. Ça c'est un petit peu plus tard. De mémoire, on allait les ramasser pas mal plus tard avec ma grand-mère. Ça passe, maman. Ça passe. Non, elles sont pas mûres les groseilles, chérie. Je peux pas te les donner. Je peux pas les manger pour le moment. Que les framboises et les fraises pour le moment. C'est déjà pas mal, hein. Les tomates qui arrivent, ouais, je regardais de loin. On en a une. Il y a les petites. Déjà à droite, là, ouais. Une, et derrière, regardez. Et là, c'est plus gros là. T'as mangé toutes les framboises, ça y est. Recoucou, Jessie est encore à la sieste, du coup j'en ai profité pour demander à Sam de me donner un petit coup de main pour vous faire un réel, pour vous présenter deux robes dont celle-ci, qui est trop jolie. Alors l'autre robe c'est la même mais avec un autre tissu, et en fait c'est la marque By With Paris qui me les a envoyées, et je les trouve vraiment canon, aussi bien au niveau de la matière qu'au niveau de la coupe, le dos complètement ouvert pour l'été, c'est juste trop chouette, fendu sur le côté, et j'ai mis une petite paire de chaussures dorées à lanière parce que le réel c'est un petit peu une robe pour la journée, une robe pour le soir. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram pour aller le voir, je vous remets les comptes de tout le monde sur l'écran. Mais donc voilà, je suis trop contente parce que c'est typiquement le genre de robe trop agréable à porter en été. Ceci dit, comme je n'étais pas habillée comme ça ce matin, je vais quand même aller me rhabiller dans ma première tenue. Je garde les robes pour des prochains jours. Et je vais aller voir si Jessie... Et sur le point de se réveiller ou pas encore, parce que mine de rien, elle aura encore fait une très jolie sieste aujourd'hui. Du coup, je vous dis à tout à l'heure.
Ça y est, je suis changée, j'en ai profité pour me rattacher les cheveux. Entre temps, Jessie s'est réveillée et du coup, Sam l'a embarquée avec Jen pour aller faire les courses. Et moi, je suis restée ici parce que j'ai quelques petites choses à faire, comme m'occuper de signer le contrat de location pour les vacances, enregistrer le relevé d'identité bancaire pour pouvoir faire le virement, etc., etc. Du coup, je leur ai dit, bon bah, pendant que vous allez faire les courses, je m'occupe de tout planifier pour la première partie des vacances, parce que j'ai quand même pas planifié les 2 mois, hein. Ce serait... non, ça ne me ressemblerait vraiment pas du tout. Ah oui, et du coup pour le changement de tenue, je sais pas si vous aviez vu dans le début du vlog, je crois pas, parce que je crois que j'avais filmé Sam et Jessie, mais pas moi. En fait, j'étais habillée comme ça aujourd'hui, voilà. Petite sandale dorée, petit short rose et petit débardeur doré. D'ailleurs, je vous en parlerai très très vite sur Insta également, puisque ce sont des articles qui viennent de la boutique de Cindy, c'est-à-dire Gracie.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, pareil pour les robes by Louise, je vous mettrai les liens en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Et elle propose des petites choses trop mignonnes aussi. Du coup, voilà, je suis contente. Rose et doré, ça me plaît, ça fait très été, paillettes et tout et tout. C'est mon mini festival de Cannes à moi. Non, je rigole. Du coup, je vous laisse, je vais m'occuper de la paperasse. Mais cette fois-ci, c'est pas la compta, les trucs un petit peu relous, c'est pour les vacances et ça, c'est top. D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez une petite idée de là où nous allons commencer nos vacances ? Je sais pas pourquoi, mais en même temps que je pose la question, je me dis, mais c'est tellement évident qu'ils vont tous, mais tous, deviner. Dites-moi ça quand même dans les commentaires. Rien que d'y penser, ça me fait rire en fait. Des glaces ? On prend des glaces ? Oui ? Pour Poupie ? Pour Poupie ? Non, pour papa. Et pour Jenna ? Pour Jenna ? Poupie ! Tout pour Poupie ? T'es trop coquine ! Ah, tu aimes beaucoup manger des glaces. Miam, miam, miam. Papa aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, Jessie ? Ah, je crois qu'on va... On va prendre... Cookie and cream. Cookie and cream. Du chocolat ? D'accord. De la glace au chocolat ? Regarde, regarde, Jenna, elle est en train d'en attraper. Celle-là ? Avec le cornet ? Et au chocolat ! Oui ? Comme ça ? D'accord. La valeur sûre. Oh là là, celle-là on l'aime, tous. Ça y est, ils sont rentrés des courses. Oui. Qu'est-ce que vous avez ramené de beau ? Oh là là. Des glaces. Papa, il a une glace au chocolat. Au chocolat aussi. Chine de glace. C'est trop cool. Vous avez aussi trouvé du produit à bulles. Oui, j'ai trouvé ça pour les petits, regarde. C'est rigolo. Quand t'appuies sur le ventre en fait. Ah, ça soulève et ça fait des bulles. C'est ça. Oh, trop bien. Moi, j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Attends, chérie. Oui. La dernière fois, quand on avait cherché, on n'avait pas trouvé. Du et coup, là, ils en avaient. Bon, au supermarché, tout simplement. Du coup, comment elle est cette glace? Elle est bonne? C'est bon. Alors il faut savoir que Jessie met très longtemps à manger une glace, mais elle la mange en général en entier. Elle est très gourmande, c'est ça? Elle est très gourmande. C'est très bon les glaces. Oui. Non mais ça paraît pas, mais c'est quand même gros une glace en absolu. Jessie, la dernière fois, elle a mis 50 minutes, ça coulait le long de ses mains avec le papier et tout, mais elle a tout mangé. Mais alors, celle-ci, elle n'avait pas encore mangé une toute seule. Non. Oui, tu peux croquer, tu sais, quand c'est avec des petits bouts comme ça au-dessus. Non, il mange. J'adore comment elle dit maman. Il y a Jenna. Jenna aussi, elle a pris une glace. T'as pris un cornet? Oui. Trop bien. Voilà. Je me mets là. Ah, t'as pris le nouveau. Bah ouais. C'est quoi le nouveau? C'est un cornet en cookie. Ah oui, je me suis dit qu'il y avait trop de morceaux pour Jessie, du coup j'ai pas voulu lui donner pour commencer. Ça ressemble à quoi, tu nous montres? Ah yes, ok. Ah oui. Ça va, je pensais que c'était beaucoup plus chine de glace. Ah non, le cornet est en cookie. Ah, le cornet aussi? Ah, oui. Ah non, moi c'est que j'ai vu les petits bouts au-dessus, je me suis dit pour Jessie c'est peut-être un petit peu... Tout le cornet est en cookie. Oh là 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 là, il faut que je goûte, hein. C'est obligé. Bah oui. Bah maman aussi va manger ça. Voilà, papa, comme il se moque de maman, et ben il en met partout.
Allez, c'est après-midi glace aujourd'hui. Ouais, trop cool. Bon, on a mis le liquide fait exprès dans ce petit bonhomme. Oui, t'as toujours ta glace. Elle est encore en train de manger sa glace. Mais elle se débrouille bien quand même. Ouais, elle n'est pas encore trop arrivée au moment où on doit croquer dans le cornet. Mais à la base, on est censé faire ça et ça ne fonctionne pas. Attends, regarde, on va montrer. En fait, attends, chérie. En fait, j'ai réussi tout à l'heure, mais ça marche pas bien. Ça projette le produit, c'est tout là. Ouais, il y a surtout du produit qui va partir. C'est ça. C'est pas une grande réussite, ou alors on en a un qui ne fonctionne pas. Probablement. Mais tout à l'heure, ah, tu vois, mais c'est pas censé, on n'est pas censé tenir le petit. Ben non, normalement c'est avec une pression, ça doit se lever et fonctionner. Hop là. Donc ça fonctionne qu'à moitié quoi. Mais c'est rigolo. Oui, sur le concept, si ça fonctionnait bien, c'était une bonne idée. Oui. Mais là, apparemment, dites-nous si vous avez déjà testé, si le vôtre fonctionne ou s'ils sont tous comme ça, que c'est pas encore super au point, quoi. Voilà. Et du coup, sur ce, ben, Jessie continue à manger sa glace. Oui. Ah, et je pense qu'il y en a encore pour 20 minutes. Hein. À peu près. T'es prête ? Oh là là, tu as mis les jolies chaussures avec les petites couleurs fluo pour aller avec le t-shirt et le short, c'est joli. C'est Jen qui t'a coiffé? Elle t'a fait une petite couette? C'est ça qu'elle me dit, tu l'as coiffé comme un VIP pet? Oui. Au passage, le petit top de Jen, j'adore, c'est ultra frais, j'aime beaucoup ton style là aujourd'hui, très très chouette. Oui, mon amour, qu'est-ce qui se passe? L'ananas. Ah oui, on n'est pas là. J'ai un ananas sur ma robe. Voilà. Un ananas. Toi aussi, tu voudras un ananas sur ta robe? On essaiera de voir si on trouve une robe. On n'a pas de robe avec des ananas pour Jessie? Celle qu'on a achetée la dernière fois, il n'y avait pas d'ananas? Non, il y a des fruits, je crois, des petites choses tropicales, mais il n'y a pas d'ananas sur ta robe, effectivement. On verra si on trouve ça à l'occasion. On va faire un petit tour? Oui. Allez, c'est parti. Oui, je vais remettre l'aspirateur en route. Je l'avais mis sur pause pour qu'on puisse s'entendre. Allez, on y va. Oh, il y a des mochis. Alors, depuis le temps qu'on avait dit à Jen qu'on l'emmènerait ici pour qu'elle puisse voir tous les produits asiatiques, etc., on y est. Du coup, j'en profite pour vous montrer un petit peu. Les pokis, les mochis, c'est un assortiment aux fruits. Ouais, mais aux fruits plutôt tropicaux, enfin tu vois, un peu exotiques. Il y a tellement de choses. Ah, c'est du poisson. Ah non, mais tout a l'air trop sympa. Jessie a choisi. Ça ressemble. Oh, c'est bien joli. Oh, c'est des petites bouteilles. Oui, ça te plaît ça, les petites bouteilles? Qu'est-ce que tu as attrapé, Sam? Je te vois attraper des brochettes de poisson, faut qu'on essaye. Ça doit être sucré. Là, c'est tous les mochis. Oh, oh bien, des chips de banane. J'adore les chips de banane. Non, mais il y a trop de choses. Hein. Ici, de ce côté-là, on a des sauces, du piment. Oui, chérie. Il faut demander à papa. C'est avec du lait et des jus de fruits, a priori. C'est quoi avec les... Qu'est-ce que c'est? À la tomate, des chips. Les packaging, ils sont... Oh, des bouts de mangue. Oh, oui, c'est chili. Trop bon aussi. Et c'est épicé. Regarde, des bouts de mangue épicés. Vous voulez goûter? Bah ouais. Ah ouais. Genre, on va te dire non pour goûter des trucs comme jamais. Ça. Jamais. J'ai essayé. On adore tester, nous. Regarde, c'est pas ça. Ah, ça me rappelle ce qu'on voit dans les K-dramas, ça. Oui. Sauf qu'ils sont pas fourrés quand on les achète dans la rue, en fait. T'as vu, on suit, hein. Ah, tu connais. À fond. Mais moi, j'aimerais bien aller goûter les vrais, sur place. Ouais. En Corée du Sud. Peut-être un jour. C'est vrai. Sur la wishlist. C'est ça. Et donc, les Kit Kat qu'on vous avait montré dans la dégustation, ceux que tu avais trouvés ici. Il y en a plein. Oui, ceux-là, ils sont vraiment très très bons. J'ai adoré. On continue, on va au rayon salé. Yes. Alors là, il y a de quoi faire des bubble tea.
Ici, plein de gaufrettes. En fait, j'ai dit qu'on allait au rayon salé, mais il y a un petit peu de sucré de ce côté-là aussi. Regarde. Et derrière. Il y a écrit Happy Family, oh, c'est pour toute la famille. C'est trop chouette. Il y a même les tailles enfants. Et de ce côté-là, ben, c'est toutes les pâtes. Les nouilles. Là, là, en termes de choix, on est pas mal. Il y a tellement, tellement de choses. Bon, par contre, celle qu'on m'avait prise la dernière fois, qui était extra hot, spicy elle chicken et tout. Énorme. Vraiment, non, mais genre, elles vraiment arrachaient. Bon, celle-ci, on va pas les reprendre. On les a finies. C'est vrai. J'ai tout mangé, mais j'avais la bouche en feu, un truc de fou. Ah, mais grave, les lèvres, tout. C'est ça. On est rentré, on a pris plein, 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 plein de choses. Oui. Dans ce petit supermarché asiatique. T'as vu, il est grand. Oh, grave. Il y a beaucoup de choix. Oui. Du coup, on vous montrera juste après. D'abord, étant donné que c'est l'heure de manger, on a décidé de commencer par tester les tteokbokki. Voilà, donc celui de Jen est déjà dans le micro-ondes, oui, en train de chauffer. On attend pour faire les nôtres, c'est chacun son tour. Et après, on vous montrera aussi qu'on est passé faire des petites emplettes pour, oui, Jen et pour Jessie. Et oui, puis une petite bricole pour moi aussi au passage, voilà. Nous sommes donc en pleine préparation de celui de Sam, qui est pistonné, puisque c'est Jen qui lui fait le sien. Moi, ça m'amuse. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Alors, pas trop sauce épicée ? Non, pas trop, non. Mais voilà, quand c'est épicé et que vous mettez le sachet entier... Ah oui, rigole pas sur le sachet. Vous le sentez passer. Ah oui. Bah, tu me dis stop, papa ? Oh, bah, mets-lui la moitié. Merci. T'as forcé là, j'ai vu. J'ai un peu forcé. Ensuite, j'ai un peu forcé. On va mettre de l'eau chaude jusqu'au trait et direction le micro-ondes. L'eau chaude est prête. Et donc, le petit sachet là, on le met après ? Ouais, c'est du cheese powder. Cool. Miam, miam. Grave. Donc, le petit sachet de fromage, c'est ça ? Moi, j'ai déjà versé, ouais. Ça a l'air trop bon. C'est vrai que c'est appétissant une fois qu'on a rajouté le fromage comme ça. Moi, je sais pas, j'ai pas encore le mien. Non, ah, celui de Sam, il est encore en train de chauffer. Il reste une minute 30. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Est-ce que vous voyez, sans que je renverse ? Oui. Est-ce que c'est très chaud ? Est-ce qu'on peut goûter là maintenant ? C'est chaud ? C'est très chaud ? C'est chaud. Ah. Forcément, 3 minutes. Après, là, tu crains pas le chaud, donc... Tu crains pas le chaud, moi, je crains trop le chaud. Moi, j'aime bien quand c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Épicé, épicé, hein. Ah oui, très, toujours. Ah ouais. Je sens que ça va bien dégager les voies respiratoires. Moi, j'ai prévu mon petit verre, mon petit verre d'eau, au cas où. Franchement, quand tu manges épicé, l'eau, ça te soulage ? Ah ouais. Non, les gens ils boivent du lait, mais c'est bon, c'est sympa. J'attends de voir si c'est bon, mais ça a l'air sympa. Ah ouais, moi c'est trop chaud, je peux pas. On sent bien le fromage en tout cas. Bon, c'est bon. J'allais dire je reprends quand ça aura plus refroidi. C'est bon, on sent bien le fromage pour le coup. Oui. Alors je sais pas si t'as mis vraiment moins d'épices que moi, mais c'est sympa, mais c'est moins fort que le truc au hot chicken qu'on a goûté la dernière fois. Mais c'est bien d'avoir quand même de la goûter. Ouais, mais c'est quand même moins fort parce que ça ne me brûle pas là, dans toute la bouche. En mode caliente. Comme un petit peu là. Ça va. C'est bon. On vous dira ce que Sam il en a pensé. Je crois que c'est bientôt prêt. 2 secondes, oui. À ton tour. Ah, j'y vais. Enfin, moi, si c'est chaud, je mange pas. Oui, je suis la seule qui mange très très chaud. Ah, j'ai pas compris. Autour de Sam. Oui. De mettre le petit fromage. Mais du coup, Jen, de là à côté de moi, elle me dit « Maman, c'est hyper épicé, j'en peux plus, je sais pas comment tu fais. » Ça sent bon ? Ouais. Hein, ça donne envie, hein, oui, franchement. Bah, ouais. Oui. Bon, j'imagine qu'il faut attendre envie, que ça refroidisse. Au vu de vos réactions. Bah, moi, j'aime ça. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jen ? Tu pleures ? Mais en fait, c'est trop bon, mais... Elle pleure de joie. Mais ça pique. Non, c'est très épicé, très sincèrement. Après, j'adore ce qui est épicé, mais c'est j'aime vraiment, aussi. C'est vraiment très épicé. Ah ouais, ouais. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment, je vais avoir la goutte au nez, parce que quand c'est épicé, en général, c'est ce qui se passe avec moi. On est très heureux de le mais... savoir. Moi, c'est ma gorge, c'est... Mais j'aime ça quand même. À
Ça va, ça se voit, t'as moins de sauce épicée que nous. C'est vrai, les tiens, ils sont moins colorés, tu vois, t'en as mis moins. Alors, alors ? Ça pique, ça merde. Moi, je suis pas trop truc épicé. Ça pique. On a le droit d'ailleurs, pas de se moquer. Désolé. Attention à moi. Attends, montre la couleur du tien à côté de nous. Non, non, ça va aller. Non, c'est bon, j'ai assez honte comme ça, c'est bon. Nous, il y en a beaucoup plus. Mais moi, j'aime pas ce qui est épicé. Non, mais c'est extrêmement épicé. Je comprends. Elle pleure et derrière, elle demande à boire. Il faut que je vous montre quand même. Ouais. Oh, je vais terminer la bouteille de coca à moi. Finalement, c'est plus de l'eau. Hein. Elle en perd les mots. Ça voulait... passe plus avec le coca. Elle voulait dire toute seule, en fait. Du coup, on est d'accord pour dire que je supporte quand même plutôt bien le épicé, alors. Mm. Moi aussi. Mm. La langue, c'est... Bon, allez. Bon appétit. Merci. Merci. C'est épicé, mais c'est très bon. Mais c'est très épicé. J'aime ce qui est épicé, voilà. C'est vérifié. On a terminé de manger. Oui, et d'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais pour ceux qui se poseraient la question, Jessie n'était pas avec nous pour manger parce qu'en fait, quand on est rentré, il était pas mal tard. Du coup, on l'a fait manger d'abord, on l'a mise à la sieste et on a mangé après. Oui. Donc, elle est toujours à la sieste. Et au passage, c'était vraiment très épicé. Ah, grave. Ouais. C'est vrai que les quelques premières qu'on prend, c'est épicé, mais après, c'est costaud. Ouais, ça pique encore la bouche, là. Ah, moi, franchement, j'ai encore les lèvres qui... Alors, pour le coup, je disais, moi, ça va, hein, parce que j'imagine que je suis un petit peu plus habituée. Voilà. C'est vrai. Mais c'était pas loin du truc de la dernière fois où quand même quand on mange au bout d'un moment on a la bouche qui brûle, hein. Mmh. Je vais pas dire l'inverse. Du coup, on vous montre tout ce qu'on a pris cette fois-ci. Alors moi je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a dedans parce que Sam et Jen étaient un peu de leur côté. Donc ça c'est la même chose mais version pâte. Ouais, et il y en a 5. C'est ça, c'est une nouille. Franchement on n'est pas prête. Du coup, ils sont toujours en train de se dire, on va pas pouvoir manger ça, c'est trop épicé. Ça, c'est quand t'invites quelqu'un et que t'as envie de lui faire un peu, c'est tu sûr. Vois, une petite crasse là. T'avais tu pas vu chez moi. Tu dis, tiens, ce soir, c'est nouilles chinoises. Vous avez compris. Alors. Si Jen vous invite, ne venez pas. Hé hey. Oula. Je cherche pour voir. Accessoirement, fais tout ça, s'il te plaît. La petite sœur est juste dessus. Alors, tu relis. Alors, qu'est-ce que c'est? On a des ramen. Chercher. Oh, poulet. Oui. Voilà. Ouais. Ensuite, ah oui, t'en as pris plusieurs. Miso pour goûter. Oui, on les connaît pas encore, ceux-là. Je dis, c'est au bœuf. J'ai mis très longtemps à dire. Comme ça, voilà. Il y a la bezo. Ok. Ça a l'air sympa. Ça, c'est ce que j'ai montré. C'est Jen qui les a trouvés. C'est les baguettes. Elle nous dit, regardez. Là, j'ai. Ça, c'est à cause du plat épicé. Elle nous dit, regardez, j'ai trouvé des baguettes pour toute la famille. Oui, happy family. Mais surtout, il y a écrit Happy Family dans le bon sens, c'est mieux. Donc, bah forcément, on les a pris. Surtout que vous avez déjà vu que Jessie adore manger avec des baguettes. Je l'ai aidé un petit peu, mais elle se brouille plutôt bien. Alors ça, ça a tourné sur TikTok. Vous savez, c'est genre les petits tubes avec de la viande dedans. Mais c'est pas les trucs là qu'ils mangent tout le temps aussi? Ah non, ils sont plus petits, ils sont opaques ceux qu'on les voit manger. Il y en avait des plus petits. C'est les mêmes. Mais on a voulu essayer de goûter ça. Il y a des K-dramas où quand ils reçoivent les colis, là, ils ouvrent et puis ils ont des petits tubes. Oui. Ah. Celle-là, je l'ai. Et il y a plein de goûts. D'accord. Voilà. Autant dans les K-dramas, c'est des placements de produits en fait quand on voit passer ça. C'est possible. Parfois, il y a des petits avertissements. Ouais, bah là, il y a écrit Spicy Chicken, c'est des ramen. Vous avez osé reprendre du spicy chicken. Alors, c'est censé être moins épicé. C'est pas le hot chicken, c'est spicy chicken. C'est déjà beaucoup trop spicy. On vous dira s'il y a une différence. Ah, il y en a un autre. Non, c'est une crevette, celui-là. Non, j'en ai pris en crevette. Ouais. Pour goûter. Ah, attends, cache-toi. Ouais, cache-toi. Non, j'ai pas. j'ai pas activé. Attends, on fait une pause, j'active l'option. Normalement, on est bon. Là, tout ce que tu vas montrer, ça devrait faire la mise au point. Alors, donc, ça, ce sont des prunes séchées salées. Ah, mais oui, ça, quand vous me l'avez montré en magasin, ça m'a trop fait envie. Sucré salé. Ah, j'adore. Je vais mettre côté. Alors, ça, c'est des bouts de mangue épicés. Ça a l'air trop bon. Mais surtout, je me dis épicé, ça doit être. Ça a l'air trop dingue, surtout, ouais. C'est dingue. Truc de... Et écrit with chili. Vous êtes sûr que vous voulez goûter? Oui. Moi non. Instant vermicelle. Ah, à la tomate, c'est pour ça? C'est oui. Sam, il a pris ça en se disant, ah, mais Jen, elle devrait trop aimer ça. C'est vrai. T'en as pris plusieurs?
du coup? Non, j'en ai pris qu'un. T'en as pris qu'un pour goûter? C'est des petits gâteaux. Ça, c'est pour Jessie. Oui, c'est mignon, c'est des petites tortues, non? Non, c'est des tendards. Ah, j'ai cru que c'était... Oh ouais. Bah, alors, pour le coup, vite fait, je t'accorde, oui, vite fait, j'ai cru que c'était des petites tortues. C'est des petits gâteaux avec du chocolat. Ok. Après, c'est assez original d'avoir fait des troncs d'arbre dans l'absolu. Ça, c'est des banana chips, oui. Oui. C'est des chips de banane avec... Des chips de banane. Moi, j'adore ça. Miam. Mais au sésame, j'ai jamais goûté. Moi non plus. Ça a l'air vraiment très bon. Ouais, vraiment. Oh, on va devoir manger plein de trucs. Gros paquet de mochi. Mes mochi, fruits tropicaux. Ah oui, on les a regardés. Voilà. Ça, on n'a pas goûté. Trop bien. Ça, c'est les gâteaux poisson. Enfin, les poissons. Azuki, le goût, je sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air bon. Moi, je connaissais Jeanne Azuki dans Jeanne et Serge, mais c'était... Tu m'as perdu. J'étais petite quand ça passait, Jeanne et Serge. C'était un manga ah ouais de volleyball. Dites-nous si vous avez la ref. Jeanne... Serge, coup de foudre, match de volley-ball. Voilà. C'est un goût de bonheur. Je vais avoir un claim, T'as vu, je chante tellement bien. Ouais, tu chantes trop bien, papa. Ça, c'est des bonbons ronds que. Il faut que vous goûtiez. C'est très particulier. Moi, je connais pas. C'est un peu acidulé, sucré. Ah, mais ça, c'est à quel fruit? Oui, trop bien. C'est quel fruit? C'est pas marqué. C'est un fruit dessus. Je sais pas si c'est du litchi ou. Je sais pas, je pense que c'est du litchi. C'est quoi pour vous ça? Tu crois que c'est un litchi? Je suis pas sûre. Non. C'est de la tomate. On dirait de la tomate. Oui. Du crabe. C'est, le bonbon est rouge. Ah, et j'espère que ça veut pas dire que c'est épicé ou un truc dans le genre. On aime tous les trucs épicés, nous. Je me suis fait avoir encore. Alors, ça c'est du crabe. On voulait goûter. On voulait goûter. Voilà. Pourquoi pas? Tout simplement. Chair de crabe, voilà, on s'est dit tiens, allez. Des gâteaux. On en a déjà mangé des comme ça. Oui. Mais c'était pas à la fraise. C'est pour Baby Jess. C'est, voilà, c'est des petits gâteaux quoi là. Très bien. C'est vrai que nous on les avait eu au chocolat. Je c'est crois. Ça, au chocolat. Mais c'était il y a longtemps. Ah, les souvenirs installés. Il y a longtemps, tu sais. bref, c'est des gâteaux à la fraise. C'est à peu près le temps qu'elle est restée en montrant le paquet de gâteaux. ça, j'ai juste parlé de ça. Papa il l'a pris. Ah oui. C'est ça, des je petits me suis bâtonnets dit... de. C'est des sticks de poisson. De poisson. Alors ça, je demande à voir. Ingrédients poisson. C'est ça. Bah oui, il y a un poisson dessus. Ouais. Non, oui, mais non, mais c'est pas une blague, c'est pas... Ingrédient poulet, hein? Ah bon? Mais c'est un poisson. Non, mais je me suis dit, autant il s'est présenté comme un truc de poisson, mais c'est peut-être du bonbon, non, tu non, vois. Non, dit, c'est du poisson, donc tu vas goûter. Oui. Et ça, c'est des mochis au citron. Oui, qu'on n'avait pas eu l'occasion de goûter non plus. Donc, on a fait un truc à goûter. Oui. On vous dira au fur et à mesure, probablement pas mal sur Insta, si vous ne suivez pas encore, je vous remets tout sur l'écran. Et on va passer... Ah oui, en partant, madame, elle a donné ça. Ah oui. Pour Jessie. Elle a offert des petits nougats. C'est trop gentil. On adore ça aussi. Mais c'est pour Jessie. On touche pas. On peut toucher. Et du coup, je vous disais qu'on est passé... pour trouver quelques petites choses à Jessie, parce qu'en fait, quand on est parti ce matin, je disais à Sam que par rapport aux petites rayures sur son short, j'avais pas les t-shirts de la bonne couleur pour aller avec. On avait le blanc, mais on n'avait pas les petites couleurs dedans. Et on s'est arrêté chez Okaidi, on est tombé sur ces petits débardeurs. Trop kiki, n'est-ce pas, Jen? Donc voilà, on a pris les deux couleurs qui allaient bien avec. Ensuite, Sam regarde juste en dessous, il me dit « Oh, les shorts, ils sont trop mignons aussi. » Ouais, tu aimes pas lui. Mais c'est super, surtout pour l'été. Hein. Donc, bah, le corail et un jaune, parce que vous savez qu'on adore le jaune. Et alors, petite précision, ils sont réglables à l'intérieur. Et ça, c'est top. Parce que là, j'ai pu prendre du 3 ans. Même si ça me paraît un petit peu large, c'est pas grave. Je sais que ça va lui aller, j'aurai qu'à régler au niveau de la taille. Et puis, ce petit ensemble aussi. Voilà. Trop chou, le petit élastique derrière. Trop short. Les petits citrons. Alors du coup, bon, elle a pas l'ananas, hein. Elle a les citrons pour l'instant. On lui trouvera quelque chose avec un ananas à l'occasion. Là, pour le coup, on s'est tombé sur les citrons. Et je vous l'ai dit également, il me semble, on est allé faire un petit tour pour Jen aussi, pour quelques petites nouveautés pour l'été. Ouais. Et on est allé chez Zara. Ouais. Et alors Jen, elle a explosé le budget. Non, je rigole. Elle a trouvé plein de petites choses trop chouettes. Tu vas les attraper? Tout de suite. C'est bon, il y a tout? Oui. Allez, c'est parti. Alors, c'est une robe portefeuille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, je vois de la couleur, j'adore ça. Elle est canon. Elle est vraiment, c'est belle. Frais, c'est trop mignon. Vraiment. Parfait pour l'été. Un t-shirt. Ah, il y a le bas qui va aller. Ah, c'est pareil, en fait, c'est les couleurs. Un t-shirt, voilà. Avec écrit Malibu et Los Angeles. Là, on voit mieux. Il est trop chouette. Un peu large. Flashy et tout.
Ça, c'est pour aller avec. Ou pas forcément, ou pas forcément, mais en tout cas, ça va super bien avec. C'est un pantalon rose. Oh, un pantalon rose, mais comme c'est bizarre. Je crois que c'est un truc qu'on aime bien dans la famille. Ouais. Ah, alors ça, parce qu'il y a le... Oui, vous l'avez attrapé avec papa aussi. Ensemble, ça. Donc, c'est un petit short. Et le petit ça. Top violet, comme ça. Tout fluide, un peu ouais, satiné, super mignon. Puis là, j'aime bien le short, il y a les petits volants en bas, au niveau de la jambe. C'est trop mignon. C'est trop chouette. Alors, je sais pas comment on appelle ce genre de robe. C'est une robe. Comment, alors là, la forme exacte, C'est un peu une robe chemise en soi. C'est ça. Mais en bas, il y a... Il y a la ceinture, si on veut la nouer, on n'est pas obligé, on peut la laisser fluide. C'est rose, c'est frais, c'est léger. La matière est super légère. Mmh. Un peu transparente, ne pas mettre de dessous noir. N'est-ce pas? Mais ça va être juste parfait, par exemple, pour mettre sur un maillot de bain, pour aller à la plage, ouais. Voilà. Ensuite... Un top rose, comme ça, avec les petits... C'est canon, j'adore. Ah, j'adore les mais tops oui, comme ça. Les effets sur les manches, comme ça. Tu l'as pris d'une autre couleur, du coup? Je l'ai pris aussi en bleu. Voilà. Ça change, c'est sympa. Mmh. Ouais. Et pour terminer, j'ai pris un t-shirt avec... Ah, j'ai un truc avec les manches bouffantes... Les volants en manche, c'est ouais. Vraiment, j'adore. Après, c'est très actuel, hein. On voit un petit peu partout, les manches ballons, les manches bouffantes, comme tu disais. Et en gros, c'est des manches comme ça. Et là, on peut régler. Ouais, on peut régler, en fait. Comme si on veut plus ou moins français. Et c'est trop, trop stylé. Et alors, pour l'avoir vu porter, du coup, c'est très mignon. Ouais. Vraiment. Ça passe super bien avec tous les styles. Mmh. Et les maillots de bain. Et les maillots de bain. Et les maillots de bain. On est passé chez Calzedonia parce qu'en général, on trouve toujours des petits modèles sympas. Et alors, il faut savoir que pour plus de 70 euros dépensés dans la boutique, en fait, en ce moment, ils vous offrent un sac. Ouais. Alors, il y en avait plusieurs. Jen a choisi celui-ci. Ah, je trouvais trop, trop beau. Mais il est trop beau. En plus, avec la matière un peu éponge. Super actuelle. Vraiment, je trouve ça super cool. Et sinon, au niveau des maillots... Bah, je sors tout ça. Vas-y. Voilà, alors ça c'est à toi, ça c'est à moi. Alors moi j'ai pris un haut de maillot de bain. Faut que j'en sorte. Alors je commence par le mien du coup. Moi j'ai pris celui-ci qui est en matière un petit peu éponge. Super cool, avec un bas assez classique. Par contre le haut c'est le haut... Oh là là, je vais m'en sortir. Voilà, le haut qui se met dans ce sens-là. Pour changer un petit peu des triangles traditionnels. C'est celui qu'on met un petit peu à l'inverse. Moi j'ai pris un petit haut de maillot de bain comme ça. Crochet. Ouais, c'est trop mignon. Plus le violet, ça va bien. Avec un petit bas tout simple. Classique avec les nouettes, en fait. Voilà. Violet. Et j'avoue, ce qui nous a attiré l'œil quand on est rentré tout de suite, c'était... Alors pareil, je cherche le haut, je cherche le bas. Ouh, je vais m'en sortir. Celui-là. Alors, c'est une forme de maillot de bain que j'ai déjà. Oui. Mais alors là, les couleurs, les petits détails, un petit peu jaune. Doré. Ouais. Ouais, presque doré en fait. On a trouvé ça trop mignon. Mmh. Et du coup, le bas, tout simple, à nouette qui va avec. Et les détails sont que devant, ils sont pas derrière. Petite précision pour ce bas-là, parce que ça m'a étonnée, j'ai trouvé que c'était hyper astucieux. Ce ne sont pas des nouettes en fait, c'est un système comme les bretelles réglables. Et je trouve ça plutôt sympa parce que quand on a des nouettes et qu'on met quelque chose par-dessus, ça fait toujours les bosses au niveau des flots. Bah là, du coup, ça ne fera pas de bosses. Donc, c'est pas mal. Voilà, c'était une bonne idée, je trouve. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout pour ce qu'on a trouvé chez Calzedonia parce qu'ils font des maillots de bain pour les petits, mais ça commence aux 4 ans. C'était encore trop grand pour Jessie. Alors, j'ai pas pu craquer. C'est dommage parce qu'il y avait le même modèle que celui-là pour les enfants. Mignon. Mais le 4 ans était vraiment trop, trop grand. Voilà, voilà. Sur ce, on va vous laisser pour ce vlog. Je pense que on a montré pas mal de choses et qu'il doit être un petit peu long. Donc, on espère qu'il vous aura plu malgré tout. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Avant de vous laisser, j'ai une question. Est-ce que vous avez trouvé votre maillot de bain de l'été? Ah ouais. Je vous l'ai demandé sur Insta, je vous le demande ici aussi. Dites-nous si vous avez déjà trouvé, si vous cherchez encore, etc. etc. Et du coup, sur ce, on vous laisse vraiment cette fois-ci. Bisous.